Welcome to the 2v2 Alpha. Et puis sur ce, salut gens, Roeder ici pour Modern Warfare. Le premier du nom. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être très très dur à se mettre en tête que le prochain Call of s'appellera en effet Modern Warfare. Mais j'ai hâte. Je suis un peu hype, il faut le dire. Ça fait un moment que j'étais plus hype sur un Call of, mais c'est vrai que là je suis de nouveau hype. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas pourquoi exactement, mais peut-être c'est les graphismes qui a l'air pour une fois pas mal. Peut-être le retour d'une mode campagne, parce que le dernier Call of nous a fait peut-être comprendre qu'on avait besoin d'une campagne. Ou alors c'est peut-être parce que c'est un peu un retour en arrière et que ça fait des années que je me souhaitais un retour en arrière. Alors je sais pas, peut-être c'est l'ensemble de tous ces critères là. Mais par contre, alors on est donc sur une alpha exclusivement sur PS4. On va tout de suite voir un aperçu du contenu qui est donc proposé dans cette alpha 2v2. Donc comme le nom l'indique déjà, c'est un multijoueur 2v2. L'équipe qui parvient à gagner 6 manches remporte la victoire. Donc c'est simplement un 2 contre 2. Voilà. Les cartes qu'ils ont disponibles, c'est donc les 5 cartes que j'avais lues, mais là apparemment il n'y en a que 3. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe. Il y a King, un entrepôt avec une scène en contre-planqué de milieu. Il y a Pine, ou Pin, donc ça c'est dans la forêt. Et Speedball, la toute nouvelle carte pour l'alpha. Moi j'avais lu qu'il y en avait 5, alors je sais pas s'ils l'ont pas tous mis ou si au final ils l'ont changé, je sais pas. En tout cas c'est téléchargeable depuis cette minuit. Je pense que même, parce que j'avais lu sur internet que c'était disponible même avant minuit. Alors je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je peux juste vous confirmer que depuis minuit, aujourd'hui le 23 août 2019, c'était téléchargeable. Après plutôt je sais pas. Donc là on avait compris, c'est donc une alpha, et donc là vous voyez, il y a donc le prochain rendez-vous que Call of nous donne, c'est l'open beta, qui est donc cette fois pas exclusivement sur PS4, mais qui arrive en premier sur PS4, parce que depuis maintenant un an ou deux ans, ils ont un contrat avec Sony, c'est pour ça que ça arrive d'abord sur PS4. Donc si vous pré-téléchargez, précommander le nouveau Call of, vous avez donc accès à cette Open Beta Early Access qui commence donc sur PS4 le 12 septembre. Voilà, pour les informations, et puis je sais ce que vous voulez voir, mais d'abord on fait un petit tour du propriétaire. C'est simple, là il y a joué. Après il y a deux trucs qui sont encore bloqués. Et puis ensuite, il y a caserne où on peut faire marquage de clan. Bien sûr, nous, on est LGFR, il n'y a pas à chier. Là, on voit les différents de cartes de visite. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus dans le jeu final. Comme dit, c'est une alpha, donc il n'y aura pas grand-chose ici. Ensuite, il y a l'emblème à choisir. Là aussi, on a un beau petit choix. En plus, des trucs animés, ça, je trouve ça stylé quand même. Et ensuite, il y a achat anticipé où on peut directement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, acheter les différentes versions qui existe donc de Call of Duty Modern Warfare. Donc pour 70€ vous avez l'édition normale. Après il y a Operator et Operator augmenté. Bon moi je pense honnêtement je vais rester sur du 70, parce qu'en toute façon cette année il y aura donc pas un Season Pass, un pack de combat on va dire, où on a les différentes maps. Donc je pense qu'on va devoir les acheter, ou alors ils sont gratuits. Mais en tout cas, il n'y a pas ce système de Season Pass. Et je trouve ça plutôt bien, honnêtement, parce qu'à chaque fois, je me suis fait avoir. Je pense que c'est pour ça que je trouve ça bien, parce que au final, à chaque fois, je me suis fait pas mal avoir par ces Season Pass, parce qu'à chaque fois, je me suis acheté ça. Et puis au final, je me suis déjà lassé des Call of, même avant le premier premier map pack qui est sorti, en fait. Donc, voilà. Par contre, je rêve ou je vois l'ennemi à travers des murs. Est-ce que je peux déjà... Non, je peux pas tirer, ça serait cheaté. Genre avant le match, je lui fais déjà le headshot. Ok, par contre, pourquoi je commence avec un snipe? J'avais même pas choisi mon arme. Est-ce qu'on a vraiment pas le choix de proposer des armes? Alors, je peux vous dire déjà, mon premier match sera
totalement loupé dans ces cas-là parce que snipe, je le gère pas du tout. Ouah, je l'ai eu. Les gars, c'est exceptionnel ce qui se passe. Moi qui joue au snipe. On n'attendait pas que je fasse des quickscopes 360 noscopes par la suite. Hein. Ça, oubliez tout de suite. Parce que moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, le délire. Moi au snipe, c'est... c'est pas le bon choix. Ok. Oh, je suis nul. Je suis totalement nul. Je l'avoue, mais... Pour moi, je... Après, il a hard scrap aussi. Je crois que ça se fait plus trop, non si, je sais pas. Ah, voilà, meilleure arme. Ça j'apprécie. C'est là où je vais mourir, c'est sûr. Mais... Ça, j'apprécie beaucoup plus. Ah, en fait, je peux choisir un coup par coup. Ça, c'est stylé. Il est où l'autre? Est-ce que... J'aurais pas vu sa petite tête, là. Ah, il est là. Alors, attention. Il est en haut ici. Il est en haut. Il est en train de me chercher. Oh, on est deux en train de se chercher. Mais c'est... Ah non, il est en bas en fait, non? J'aurais pas dû virer, mais c'était risqué. Allez, c'est gagné. Waouh! Mais pour l'instant, honnêtement, il est fun. Bon, après, mon skill, il est moyen. Par contre, toi, t'arrêtes de me tousser dans les oreilles, déjà, dans un premier temps. Mais, niveau bruitage, niveau fun, disons, c'est pas mal. Même si, bon, se faire tuer, c'est toujours un peu moins fun, bien sûr. Regardez là, quelqu'un, quand même. Oh, par contre, lui, il s'est loupé aussi. Hein. Mais, disons, le feeling... Il me plaît déjà, dans un premier temps. Bon, bien sûr, là, c'est juste la première partie, une première visite. Vous n'allez pas voir grand-chose, là, on va pas se mentir, mais il y aura une autre vidéo encore aujourd'hui. Je pense en compagnie de soit Robset, soit Mission, où on va se faire en coop un peu plus opérationnel, un peu plus stratégique. Là où ça sera un peu plus intéressant. Donc là, c'est vraiment juste une première visite où je voulais quand même vous parler un peu du jeu. Et puis, comme dit, aujourd'hui, il y a encore une autre vidéo. Et puis, je pense que demain, pareil, il y aura encore une autre vidéo. Et après, fin du week-end, ou je pense plutôt la semaine prochaine, on fera un peu les gameplays ce week-end. Et puis après, je pense que... la semaine prochaine, il y aura certainement un petit... j'aurais pas dû tirer. Un petit résumé du jeu, on va dire. Où on aura pu faire un peu nos découvertes sur le Call of. Bon, après, il faut dire que c'est un de mes meilleurs débuts sur Call of quand même. Parce que je fais déjà un ratio positif. Après, c'est sûr que pour un vrai jour de Call of, vous allez me dire c'est nul. Mais voilà, pour moi déjà, ratio positif, c'est déjà un début. Même si le ratio positif n'est pas très haut, mais... Écoutez, c'est du positif. Voilà. C'est positif, alors c'est positif. Après, je pense que... qu'ils ont choisi le 2v2 comme alpha, je pense que c'est déjà pour eux un petit test pour voir un peu. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut pas choisir les armes aussi, parce que c'est vraiment juste histoire d'essayer un peu. Mais c'est vrai que c'est bien comme ça, ça nous permet vraiment de visiter un peu, de tester tous les armes. Parce que autrement, on n'avait pas trop possibilité de choisir nos armes. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ça nous permet vraiment de faire un petit tour complet. Bon, là, du coup, on a juste pu voir une seule map. Mais dans tous les cas, les armes, on a déjà pu les essayer un peu. Après... Ouais, on sait. Par contre, là, il va. Ah putain, par contre, là, ils vont être deux sur moi. Ah non, c'est bon, mon collègue, il est là. Ok, on est là. Tranquille. Allez, on a gagné, coalition.
Oh putain, ah oui, c'était un travail d'équipe en fait. Moi je l'ai juste terminé. Ok, bien. Bon bah, on les a eu. 6-2. C'est un beau petit résultat ça. Pour un tout premier. Une toute première partie. Est-ce qu'on a les niveaux? Alors ça, j'avais pas vu. Est-ce que je viens de gagner un niveau? Je sais pas. Comme je dis, c'est vraiment ma toute première partie. Alors je vois pas du tout où est-ce qu'on voit les niveaux. Mais j'ai pas l'impression qu'on est. Ah, quoique, si. Ah, bah, je suis encore niveau 1. Comment ça se fait, ça? J'ai pas gagné de niveau, quoi. Ok, bah, je sais pas. Bon, bah, ça, c'était ma toute première partie sur Call of. On va pas aller plus loin, parce que, comme dit, il y aura encore une deuxième vidéo. Et si j'ai le temps, mais là, je vous promets rien pour l'instant, il y aura même une troisième vidéo. Mais on verra encore. Mais il y aura encore au moins une vidéo. Cet après-midi, ou même ce midi, on verra. Et, comme dit, encore demain. Et puis après, au cours de la semaine prochaine, un petit résumé, certainement, avec les autres, pour voir un peu une idée complète. Mais pour l'instant, franchement, je suis très très positif et je suis très... on va dire mon hype, il continue. Mon hype, c'est pas encore arrêté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse beaucoup, comme d'habitude. Mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Est-ce que vous avez déjà pu jouer? Est-ce que ça vous a plu, cette première partie? Et qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant du nouveau Call of? Comme dit, soyez sages, parce que c'est juste une alpha. Même si, bon, c'est déjà, ça a l'air déjà très complet comme jeu, on va pas se mentir. C'est déjà, je dirais plutôt une démo qu'une alpha. Mais bon, après, voilà. Tant pis, on va pas en débattre là-dessus, parce que normalement une alpha, pour moi, c'est un truc complètement buggy encore. Mais ça, en général, les gros jeux, les triple A, ils le font jamais, ça. Les vrais alpha où ils sortent buggy, parce que c'est sûr, parce que sinon la communauté, elle va tout de suite rager, elle va dire « Ouais, c'est complètement buggy et tout. » Donc voilà, après, c'est une alpha, oui, mais c'est plutôt une démo, on va dire. Voilà, sur ce, salut Jean, et à très très bientôt pour la suite de nos aventures, et puis bah déjà aujourd'hui pour la suite de Call of Duty Modern Warfare. J'ai hâte.